Initié en 2008 dans la commune d'Abobo, le tournoi de football de la fondation Children of Africa, dénommé tournoi Dominique Ouattara, lance sa 14e édition. Cette année, le tournoi s'étend à 70 communes au lieu des 50 habituelles. À Djamé, à Bangourou, Bingerville, Bouna, Assini, Didiévi, Ferke, Gagnoa, Tafiré sont quelques communes concernées par le tournoi. Il est à noter que ce tournoi de football est organisé gratuitement au bénéfice de nos garçons et de nos filles âgées de 7 à 15 ans des communes participantes. À travers cette compétition sportive amicale, nous espérons contribuer à développer chez les jeunes participants des valeurs liées à la pratique du football, telles que l'esprit d'équipe, la cohésion, l'effort collectif ou encore le dépassement de soi. En cette année 2023, dédiée à la jeunesse, et au regard de la politique nationale du sport, qui vise, entre autres, le bien-être des populations sans exclusive, cette activité se présente comme un prolongement de l'action gouvernementale et une réponse aux défis de la saine occupation des jeunes. Les équipes gagnantes dans chaque localité auront droit à un trophée Dominique Ouattara, une enveloppe de 200 000 francs CFA, ainsi qu'un jeu complet de maillots et des ballons. 28 millions au total seront déboursés par la fondation Children of Africa pour l'organisation de ce tournoi qui a pour but d'offrir aux enfants ivoiriens des vacances saines et bénéfiques.